Les mains vides. À chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Le mais maillon faible, mesdames, messieurs. Laurence Boccolini est à côté de moi en vrai, en virtuel partout. Bonjour Laurence. Ça va? Oui, ça roule, c'est super plaisir de t'avoir. Moi aussi. Je regarde le maillon faible à la télé. Non. Je joue. Non, je te jure. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est moi, le petit point d'audimat parmi les milliards de points d'audimat. Ah, correct. C'est drôle. Maillon très faible. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, je suis maillon moyen. Oui, t'es moyen moyen. On va voir, on va jouer tous les deux. Ah, bah j'ai joué. Alors, t'es fort? Pas bonne du tout. Non, mais c'est ça qui fait rager les candidats, c'est que ça, je ne sais pas les réponses. Parce que les gens écrivent aux journaux en disant « Madame Boccolini se croit plus forte que les autres, mais je n'ai pas les réponses. » Tu les as pas plus que... Non, pas plus que. C'est ça qui est terrible. Et tu te permets quand même de les malmener. Mais heureusement, c'est ça qui est drôle. J'ai pas l'air sympa. Mais oui, mais en vrai, on sait que t'es sympa. Maintenant, sur le dossier de presse, c'est écrit « méchante, humiliante et tout », puis on voit bien que c'est pas vrai. Parce que c'est comme ça que les journalistes m'ont décrit. C'est vrai? Ouais. Méchante, humiliante, froide, cassante, enfin tout, quoi. Ouais, on sait que c'est pas vrai. Vous avez découvert que c'est pas vrai. Oh, regarde, tête sur le corps, ça colle bien. Ça marche pas mal. Donc, le jeu, évidemment, c'est qui veut gagner des maillons faibles? Non, c'est le maillon. C'est pas mal comme blague. C'est le maillon faible. Correct. On entend partout, ça fait tout bizarre. C'est vachement bien. Ouais, c'est vrai que c'est bien foutu. On a joué ici à Game One. Je te raconterai. Bonne ambiance. Surtout au moment des éliminations. Ah, ça y est, hein. Eh oui, ça, c'est vrai que c'est un peu dur d'éliminer ses potes. Mais bon. Mais on le fait facile. Oui, finalement. Ah, finalement. Tout le monde aime ça. Avec un certain plaisir. Allez, casse-toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tous les deux. Donc, ça va être la première fois que tu vas être à la place des candidats. Non. Ah, je vais dire sur le plateau. Ils me font de tout. C'est vrai que là, quand j'ai joué la première fois, c'est vrai que c'est difficile. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, allez, j'appuie sur correct. Ah, tu m'arrêtes avec ça. Oui, peut-être, ça serait bien. C'est comme Jean-Pierre avec c'est votre dernier mot. Ça sort. Ah, bah lui, quand il achète une tranche de jambon, monsieur Foucault, c'est votre dernier mot. Correct. Donc on te fait ça dans la rue tout le temps. Tout le temps, c'est horrible. Tout le temps, 150 fois par jour, mais c'est bien. Ouais, ça prouve qu'il y a plein de gens qui regardent et que ça leur fait plaisir. Alors regarde, on aurait pu jouer mode solo, mais non. On peut jouer tout seul, donc. Oui, ça c'est bien. On peut jouer tout seul. Quand on est par exemple célibataire. Quand on n'a pas d'amis. Quand on est trop moche pour avoir un petit ami, une petite amie, hop, on joue tout seul. Ouais. Mais le mieux, c'est d'avoir des vrais amis. Nous à Game One, on a joué à 7, parce qu'on peut jouer jusqu'à 7 en se repassant les manettes. Alors les cerises, c'est pas dans le jeu. Non, c'est sous petit pull, Laurence. C'est joli, ça. Je peux balader les cerises. Oui, c'est vrai. Allez, hop, alors. Magie. Alors regarde. Ah, ils ont des tronches pas possibles. C'est génial. Tu disais, c'est des vrais gens. Alors, c'est des vrais humains. C'est des vrais humains. Je les ai rencontrés. Bah, j'en ai rencontré certains. Et ils ont des. Alors, on peut choisir qui on va être. Ouais. Ils ont chacun une personnalité, chacun un CV. Et ils ont chacun des défauts et des qualités, quoi. Donc, ça, c'est vachement bien. On va prendre par exemple Cyril. Bonjour. Tu veux être Cyril? Ouais, j'aime bien. C'est mon modèle, moi. C'est joli. Et je crois qu'il est chauffeur routier. Attends, on va l'écouter. Bonjour, moi c'est Cyril, j'ai 42 ans et je suis routier à Dax. Ah bah Dax, il aime le rubis. Il aime le rubis. Donc moi je prends, voilà, on va prendre joueur humain. Ouais. Tac, alors qui tu veux toi? Alors attends, alors qu'est-ce qu'il faut que les autres vont apprendre des ordinateurs. Je m'appelle Nicole. Nicole. Je m'appelle Gauthier. Alors on peut être un garçon ou une fille. Oui, hein. En plus on peut choisir. C'est bien. Étudiante en médecine, je non Diane. Ah oui, je vais être esthéticienne moi. C'est mon rêve. Alors je prends. Allez, prends Diane. Voilà, joueur humain. Voilà. Donc je m'appelle. Tu t'appelles Diane. Diane, très bien. Et moi je m'appelle Cyril. Et les autres vont prendre des ordinateurs et ils vont peut-être nous virer. On verra bien. On va commencer. Alors on va prendre des têtes de pourris comme ça on pourra. C'est pas sympa, ça se trouve que tu le connais, Gérard, en vrai. Mais non, je connais pas. Ça m'intéresse de près. C'est pas grave. Mais Gérard. Ah non, je voulais pas joueur humain. Reviens, Gérard. Attends. Voilà, ça y est. Et voilà, j'ai fait n'importe quoi. Non, il a cassé le jeu. Ça y est, je suis ressorti bêtement. Il a tout pourri le jeu. C'est tout moi. Attends, je recommence. Je vous ai dit que je prenais Cyril. Moi, Cyril. Que c'est un joueur humain. Toi, tu veux Diane. Si tu veux. Voilà. Qui sera un joueur humain. Et le reste, c'est. Ce sera contrôlé par l'ordinateur. Donc Gérard, contrôlé par l'ordinateur. Il y en a une qui a l'air d'une teigne aussi. Attends, où elle est? Voilà, elle. Emma, 30 ans. Elle ressemble un peu à... Contrôlée par l'ordinateur. Comment s'appelle Vincent McDouille. Oui, le présentateur, présentatrice de Paris 1ère, je crois. Paris 1ère, elle. Oui, il y a quelque chose. Alors, on va la prendre. Et puis on en prend un troisième. Un troisième, ouais. Architecte d'intérieur. Caroline. Oh non, c'est pas très bien. William. Je m'appelle William, j'ai 35 ans et je suis contrôleur aérien à Roissy. Voilà. J'adore la lecture, le bricolage et la photographie. C'est le mec qui fait la voix d'Eddie Murphy. Allez, on prend William. On prend William avec nous. Contrôleur aérien qui aime le bricolage. Forcément, c'est un homme bien. Allez, j'appuie sur Start.
Donc on pourrait choisir, on aurait pu prendre les 7 candidats, on va se limiter à ça, on va voir déjà ce que ça donne. On peut tout prendre, hein. Ouais, c'est ça qui est dément. On peut commencer avec eux, on peut commencer la manche un peu plus tard. Donc on va commencer la manche avec juste 5 candidats. Des trucs faciles. Voilà. Ah, normal ou facile ? On va pas se mettre en junior, on est courageux. Oh non, en junior, on essaye. Vous allez facile, on fait facile. Allez, on fait facile. Oh, t'as pas l'air commode. Oh, elle est là, elle est souris à côté, mets-toi à côté, souris comme ça. Voilà. Ça, c'est la vraie Laurence. Bon, enfin, c'est la vraie aussi, c'est la oui, c'est vrai. Mais comédien. Elle est belle, cette fille. Ouais, c'est bien. Le petit manteau, un peu sec. Ça plaît aux hommes, ça. C'est vrai. Il y a un fouet sous le manteau ou... Ah, c'est les questions qu'on me pose toujours. Est-ce qu'il y a un fouet sous le manteau? On se demande. Je vous dis pas ce qu'il y a sous le manteau. Mes cadreurs veulent toujours savoir ce qu'il y a sous le manteau. Est-ce que c'est réfrigéré? Parce qu'il fait toujours chaud sur le plateau de télé. Là, qu'il faut vraiment réfrigérer. C'est très chaud sous le manteau. Il se passe des trucs. Ouais. Tu nous feras voir à la fin de ce Level 1. Restez avec nous. Non, rien du tout. Mais restez quand même, parce que je pense qu'on se marre. Restez quand même. Donc alors le principe, c'est que dans la vraie vie à la télé, on répond comme ça du tac au tac, alors que là, il va y avoir des choix en fait pour les réponses, avec juste la première lettre du choix. Donc comme ça après, il y en a un qui a pas coupé son portable. Ah alors, il y a des maillons faibles. Hein, c'est incroyable. Je veux dire, c'est mon papa en plus. C'est la première fois qu'il vient assister à un tournage de Level 1 et il nous le pourrit. Ah, merci papa. Pourrit le tournage avec son... Bon, pas bref. Alors tu vois, j'avais demandé, alors c'est la captation, tu vois, ils ont capté mon image, je suis allée en Angleterre tourner le jeu vidéo dans les studios qui sont les studios de James Bond. Ouais. Alors c'est pas impressionnant du tout, t'as l'impression que ça va, c'est pas du tout. Et je leur ai dit, mais puisque vous allez me capter un avion, vous allez me faire taille 38. Et pas du tout, ils m'ont laissé comme ça. Donc, c'est bien comme ça, de quoi te plains-tu? On va pas nous faire le coup de plus qu'un mois pour être belle en maillot et des trucs de régime de fille. Ah bah moi il me faut 2 ans pour être belle en maillot, un mois pour être belle en maillot. Tu vois, toi t'es pas mal. Ah Cyril, bel homme. Il se gratte la tête en plus, c'est bien. Ils sont bien foutus, moi je suis. C'est moi ça, alors, c'est tout, voilà. La taille 38. C'est ce que tu voulais. Moi je voulais ça. Elle va parler ou pas? Non, il parle pas. Gérard, on les plaît. 31 ans, fonctionnaire à la Tour du Pin. À la quoi? Emma, à la Tour du Pin. Étudiante en art dramatique à Paris. Oh, art dramatique. A pas l'air William, sympa. William, 35 ans. Ils se grattent tous. Il y a des puces se grattent. C'est un jeu où on se gratte beaucoup. Oh, t'as pas l'air comme moi, ça fait peur. Plus que 5. Ils t'en veulent pas, les candidats, en vrai, quand tu les maltraites. Nous retirons encore 10 secondes. J'en sais rien, je sais pas. Moi, je les vois pas après. Parce que, bon, on va le voir là, dans le jeu aussi, quand ils se font éliminer, ils partent. En fait, genre, je vais y crever les pneus de sa bagnole, il fallait pas m'éliminer. Ah, bah, c'est assez redoutable. Cyril. Ah, Cyril. Vous étiez le maillon fort. Alors, t'as la manette, donc au bas pour choisir et croix pour valider. Ok. Donc, Cyril, c'est moi. Donc, c'est pas moi qui joue là. Non, là, c'est moi qui commence. Cyril. En histoire. Selon Benoît l'ingénieux, de qui la France du... J'arrive même pas à lire le chiffre. Quel 18e siècle est-elle la fille aînée? La France est la fille aînée de l'Église, moi je dirais. Comme ça au feeling. Correct. Ça va être toi, Diane, ça. Diane, en géographie. Quel nom? À vous de retrouver la bonne réponse. Je veux que je te le nom dont que la première lettre est K est celui de la monnaie islandaise. J'en sais rien, moi. C'est quoi le... Je sais pas, qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée, moi. C'est en Islande, en fait, en Islande. Le krona, ça sonne bien. Parce que c'est le krona, tu crois? Voilà, on va prendre le krona. Oh, je sentais. Mais on s'est mis en mode facile, là, t'as vu, on a les réponses directes. C'est facile, ça. Choisissez la réponse correcte. Ah, c'est facile, ça. Mathieu Kassovitz? Non, c'est bien comme film. Mathieu Kassovitz? Bon, Emma. Ah, mais il a répondu, mais oui, c'est l'ordinateur. Ah, bah, c'est pas nous, ça, c'est pas. Alors attends. Ah, je déteste ces questions-là, c'est horrible. Bah voilà, toi, la faute. William. Ah, bah c'est la proie. Ah oui, allez, William, contre la réponse. C'est la réponse correcte. Sous quel nom c'est d'Artagnan? Ah, oui, ça me dit quelque chose. Oh, frime pas, William, tu sais pas. Ah, si, il a mis l'autre. C'est toi, là. En nature. Le rat du ciel. C'est la bonne réponse. La chauve-souris, alors. Ah non, c'est les pigeons. C'est les pigeons. Correct. Bravo. Correct. Diane, en politique. À vous de retrouver la bonne réponse. C'est pas George Bush? J'aurais dit Reagan. Attends, 80. Ah non. 80? Ah, George Bush. Attends, Bill Clinton. Non, 80. Oh, si, Reagan, pas Bush. C'est plus Reagan tard. En 81? Ah, j'aurais pas dire de conneries, mais. Bah attends, je te suis. Ah, c'est bon, il est bien. Gérard. Ah, Gérard. Ah, c'est facile ça pour Gérard. Gérard, faudrait qu'il gagne parce qu'il faudrait qu'il aille chez le coiffeur. C'est vrai qu'il est franc. Il a besoin d'argent. Ah, il se gratte. Ah, oui, ça, c'est quand ils sont pas bien. Correct. Les îles Aléoutiennes. On a même pas regardé. Dans quel pays d'Europe se trouve la ville de Tivoli? Choisissez la réponse correcte. Allez, Emma. Elle passe. Oh, comment on passe? Je sais même pas. William. Ah, bah dis donc. Ah, bah, comment on passe? Non, on sait pas. On sait pas. On sait comment on banque. Faut penser à banquer de temps en temps. C'est rond pour banquer. Oui, mais il y a rien. Alors là, on va pas banquer. Ah, ouais. Correct. Oh, attends, c'est moi. C'est à toi. Je banque. 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 Quelle ville est la capitale du Luxembourg? Bah, Luxembourg, ça paraît pas mal. Ça a la centrale bien. De Clairvaux, c'est une prison. C'est forcément la réponse. Ah, c'est Pinoche. Ah, ça y est. Alors, voilà.
Donc, fin alors, du premier round. Du temps réglementaire. On n'a qu'à voter pour les éliminer les autres. Score, on se met d'accord. Une médiocrité éblouissante. Ah oui, tu vous conservez bien cette somme pour la manche suivante, mais l'un ou l'une d'entre vous va devoir nous quitter. Donc t'as enregistré des dizaines de vannes, des milliers, des vraies saloperies. Des milliers méritent de quitter cette équipe. Des milliers de saletés. Voulez-vous vous débarrasser? Quel bonheur. On te paye pour insulter les mecs. De qui on veut se débarrasser, nous? Ah oui, il faut qu'on vote. Dire et de désigner le maillon, le maillon faible. Alors, comment? Alors, il faut voter, regarde. Chaque mec. Alors là, c'est moi qui vote. Tu vas pas voter contre moi. Donc toi, t'es Diane. Hein. Oui. Donc, toi, tu es Cyril. Alors, ce qui est marrant, regardez bien, on vote à bulletin secret. C'est-à-dire, on appuie mais sur une touche. Je vois rien, moi, attends. Donc, par exemple, moi, si je fais rond, ça va être Emma. Moi aussi. Si je fais croix, ça va être William. Merde, je crois qu'il avait choisi pour moi. J'espère qu'il a pas voté pour c'est toi. C'est à moi. Choisis. Alors, choisis pas de triangle. Sinon, tu vas me virer. Il est nul. Il fait des jeux, mais il est nul. Il faisait une émission, mais c'est. Mais oui, c'est ma réputation. C'est pour ça qu'ils ont mis maillon très faible. Emma est le maillon faible. Ah. Cyril est cette fois le maillon fort. Oh bravo. Ah merci. Bravo. C'est vrai qu'il est fort, Cyril. C'est peut-être pas forcément ses qualités. Alors qui a voté? Alors nous à Game One, ça a été la fureur quand on a joué à 7 et qu'on a voté les uns contre les autres. C'était, on se battait quoi. C'est grandiose. J'aimais pas l'idée d'éliminer. Et franchement, c'est pas tout le monde y vient. Tout le monde y vient. Alors attention, j'ai voté pour. Pourvu que j'ai pas voté pour toi. Emma, ouf. Emma. Ah, merci. Là, oui, on devrait se mettre d'accord pour en virer un. Tous mais les attends, c'est ce que les candidats font en ils principe. Ils le font vraiment. Ils le font et c'est pas très bien parce que ça. Bah oui. Ils virent les forts. Mais et du coup, ils restent entre faibles, ils gagnent plus d'argent. Il y a plus d'argent. Ils partent vous avec 500 euros. C'est juste pour le principe. J'ai fait ce que j'ai pu et c'est ce qui compte. Oh là. Pourquoi avoir voté contre elle? On n'arrivait pas à communiquer toutes les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas d'atome crochu. Je savais pas son numéro de portable. Je m'aime pas. Diane, et Van, vous êtes esthéticienne, il me semble. Oh. Oui. Comment vous dire? Je ne vous laisserai jamais approcher de moi avec une pince à épiler. Avec un tel manque de concentration, j'ose à peine imaginer à quoi doivent ressembler vos clientes quand elles sortent de votre salon. Diane, comme ça y va. T'as pas à fond la caisse, là, Laurence. Hein. Essayez de faire mieux. Mais alors, comment ça s'est passé l'enregistrement? T'avais la tête des mecs? Non, t'as rien. Tu es dans le vrai plateau, enfin, qui est pas le mien, qui est celui de Anne Robinson. Donc, c'est le vrai plateau du maillon faible avec les plots là. Et tu es toute seule avec une caméra qui cache, donc. Et tu dois regarder à la hauteur supposée des candidats. Tu veux pas leur parler comme ça. Donc tu n'as absolument personne, tu es dans le noir et tu as un pauvre cadreur qui est en face de toi. Ça dure 5 heures où tu enregistres toutes les vannes, toutes les questions. Mais tu avais préparé les vannes ou t'es parti comme ça? Non, c'est les miennes. C'est les miennes qui ont été retranscrites. Et c'est très long. C'est-à-dire, c'est très drôle, le résultat est très drôle. Ça, moi, ce que j'aime bien beaucoup, c'est les mouvements de bras. Oui, oui. Et alors quand ils partent, ils sont dégoûtés. Vous étiez le maillon fort de la dernière manche. C'est à vous de commencer. C'était moi le maillon fort. Maillon faible. Ah, c'était le maillon fort. Bon, maillon faible. Ah, c'est parti. Chrono. Cyril. Comment appelle-t-on la lourde grille d'un château fort que l'on pouvait abaisser pour défendre? Bah, le pont-levis, ça. Ah non, c'est une herse. Ouais. C'est une herse. Je vais me faire rouler, tiens. Correct. Correct. Gérard. Ah, c'est pas moi, tiens. En science. Comment donne-toi la technique du visuel permet d'en enregistrer sur l'instrument magnétique, l'image, le son. Emma. C'est moi, ça? Oh, tiens, ça devient bien le tailleur rouge, regarde. Ah oui, regarde, c'est Cyril. Bonne réponse. Oui, je fais tout de suite. Oui, ça je sais. Correct. Moi, bon, t'es William. Où toi? Il t'aurait pas éliminé par hasard? Mais pourquoi je suis viré, moi? Mais qui t'a viré? Bonne réponse. Mais qui t'a viré? Mais de quel droit on me vire, mon invité du maillon faible? Cyril. Ils ont dû sentir que c'était en toi. Histoire. Bon, viens, on répond tous les deux, on essaie de pas se faire virer. Oh, ma pauvre Laurence, remets-toi. Ne pleure pas. Aide-moi à répondre. Mis à part quelle autre activité? Les barbiers. Chirurgie, je crois. Dentisterie. Ah non, dentisterie, t'as raison. C'est forcément vrai. Tu l'as fait exprès, hein? Bah, une mais pourquoi? Bonne réponse. C'est pas grave, je vous en veux pas. En fait, c'est les deux autres. On a pas fait gaffe. Les deux autres ont dû voter contre toi. Salaud. Et comme tous les deux, on avait voté pour Emma. Et voilà, Emma, elle est là. Elle est là. Voilà. Emma, c'est une teigne. C'est une teigne. Qui on l'a vu? Ouais, ça, Emma, ça. C'est une teigne. Correct. Emma. Bon. William. Dans quel pays la vie de Médine était située? Oh, en vert aussi, c'est bien. C'est pas mal. En fait, ça fait un peu un truc où tu peux choisir des tenues. Oui, des tenues, ça va. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Attention. Ah, Zola, j'accuse. Bonne réponse. Là. Et hop. Ah, bah, réponds! Oh, bah, réponds! Forcément la réponse. Bon. Il voulait pas répondre. Gérard, et alors, il y a combien? 10 000 questions, c'est ça? La mouche, hein? À vous de donner. Il y a. Je me demande s'il n'y en a pas plus que ça, non? Il me semble que j'ai lu 10 000, moi. Il y a 10 000 questions. C'est vrai qu'on a joué un peu si on n'est pas retombé sur le 5 heures de vanne, et ce qui est génial, c'est le.
C'est que tu peux augmenter le niveau de vanne. Ah oui, on vous a pas fait voir. Parce que si vous sentez pas d'attaque un soir, vous mettez des petites vannes. Et là, vous êtes très très en forme. Non. Et ça va jusque vous avez un gros nez, vous puez du genou, un truc comme ça. Non, non. Oh, le retour. J'ai pas eu le temps. Il faudrait y aller carrément, moi, je trouve. Non, mais enfin. Mais tu me disais, en Angleterre, c'est pire. Ah, en Angleterre, elle balance des vannes sur ta tête, tes fesses, ta façon dont tu t'habilles, ta famille. C'est hallucinant, elle a aucune limite. Elle dit des trucs sur ta mère, des fois. Et elle presse ta mère en short. Et alors, elle m'a dit, il faut que tu sois. Vas-y, vas-y, insulte-la. Je dis, non, 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 moi, je n'aime pas l'insulte. Mais comme pas des gens qui ne font pas nos premiers degrés, ils ne pensent pas que tu es déchanté exprès. Ah, si, vraiment. Ah, oui, oui, c'est fou ça. Ah, oui, oui. Ah, faut qu'on vote. Rigole. Moi, je veux virer Emma. Moi, je vote rien. Moi, je suis carré dans le jeu. Moi. Bah, tu joues avec moi, on fait tous les deux Cyril. Alors, du coup. Tu as voté pour toi, entre guillemets. Bah, pour Emma, là, c'est elle qui t'a viré. Moi, je te vends. Tu es gentil, tu es très gentil. Je te remercie beaucoup. Ils vont tous voter contre moi, regarde, je le sens. Il est beau, hein, c'est joli. Hein. C'est bien foutu, ouais. Et surtout, c'est qu'il y a une rangée de personnages qui sont géniales, quoi. C'était un jour, tu es Emma, le lendemain, tu es William. Et toi, tu finis en psychiatrie. Tu finis en psychiatrie parce que tous les soirs, tu changes. Tu changes de personnalité, ça va plus du tout. Surtout quand t'es Cyril, ça va être dur. Ouais. Il est bien Cyril. Il est bien. Ça, il y a un route ici. Il est bon accent. C'est pas Maïté, en fait, on se demande. Alors attends, moi j'avais voté contre Emma. Emma, c'est ça là. Cyril. Oh, mollo. Et toi, tu votes pas contre moi. Ah voilà. Allez, William, avec moi contre Emma. Gérard. Ah non. Ah, parce que nous avons une égalité, c'est tout. Alors là, tu sais ce qui me fait le plus rire dans l'émission, c'est quand il y a toute la rangée, les 6 premiers votent contre Jean-Robert, 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 et t'as Jean-Robert qui est le dernier avec son panneau et qui fait Cécile. Ça, c'est ça qui me fait mourir de rire. Et c'est arrivé, on a joué à plus, c'est arrivé. Ah bon, c'est moi. Bon, quoi, moi. Même pas mal. Alors, c'est Emma qui vient. Pourquoi avoir voté contre lui? Voilà, pourquoi. Ah non, il est toujours à côté, même pour les questions les plus faciles. Ah, elle est pas commode, Emma. William. Je rigole pas. À cet instant précis, je n'aimerais pas être à votre place. Il est étonnant que vous soyez arrivé jusque-là. Avec les cheveux de l'image. Il est étonnant que tu arrives jusque-là. Je vote contre vous. On s'est fait. Maillon faible. Au revoir. Au revoir. Alors attends, regarde, il part dégoûté en général. Ça, je trouve ça super ça, c'est bien. C'est clair, la famille, les copains, les collègues, ils vont me chambrer, mais bon. Au moins, je l'ai fait, je pourrais leur dire c'est facile, et puis venez, on en reparlera. Et maintenant, je vais doubler Eddie Murphy dans tous ses films. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon. Ils partent dégoûtés. Bon, je passe un peu les séquences, ouais, on retourne dans le vif du sujet. Ça... Donc, tu fais Cyril avec moi. Vous étiez le maillon fort. Je suis dégoûté qu'il t'ait éliminé d'entrée. C'est normal, c'est une vengeance personnelle. Il semble que c'est toi. Il y a des trucs qui relèvent les empreintes digitales sur les manettes et ils se vengent. Emma est toujours là. Attends. Et dégage là, Emma, au prochain tour, je te le dis, moi. Mais tu as mis junior ou tu as mis très difficile? J'ai mis non normal. L'histoire. Quel député, comment on va dire? C'est pas un député. Pendant la terreur. Député recommandé. Ah, c'est Danton ou Robespierre? Ah, là, je sais jamais. Danton ou Robespierre? Tu dis quoi, toi? Danton? On va commencer par. On va aller faire dans l'ordre. Ah, c'était Robespierre. Gérard! En divertissement. Gérard est toujours là. C'est la réponse correcte. Ouais. Ça, on le sait. Danton, on était pas vraiment. Emma, répondez à cette question. Amélie Nothomb. Je connais pas ça. Non. Si, je vois Amélie Nothomb. Cyril. Elle a répondu quoi? Ah, attends, moi. Son histoire. Louis Armstrong avec sa trompette. Ah non, Cole. La dernière fois. La dernière fois. Oh là, c'était il y a, c'est pas 73, 74, 73, 74 73, pas, Apollo 13, pas, en 73. Non, c'est un collaboraté. Non, Apollo 13, ils n'ont pas été. 73, on va dire. Bon, on n'a pas, pas l'année. Hein. Faux. Alors, c'est dommage qu'on ne sache pas finalement. En histoire. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que de toute façon, on le ressortira. Mais là, on va être maillon faible. Hein. Ils vont nous dégager, je vais te le dire. Répondez à cette question. 7. Moi, je dirais 7. Je passe. Oh, bah, oh, elle passe, alors voilà. Les péchés, connaît pas. Yaoundé. À vous de retrouver. Mais il se gratte encore. C'est parce que dès qu'il sait pas, il se gratte. Nigeria, le Yaoundé? Ah oui, c'est peut-être un signe. Comme tu sais. Nigeria? C'est forcément la réponse de Tu sais, c'est comme. Comment ça s'appelle? Jeux sans frontières, ils trichent en fait. Ils font des signes. À vous de retrouver. Ça, c'est la ça n'engage que toi. Alors là, moi, je n'ai rien dit. Ils font des signes, tu te grattes. Emma. Alors, la 2. La 2, la 4. Là, personne nous aide. Non, mais là, on est seul. On est seul au monde, là. Bah ouais, ils vont nous virer. On a été mauvais. C'est bien, regarde ma tête sur le. Tiens, je banque, regarde. Et banque. L'histoire.
qui assassinait Henri IV? Ravaillac. Ah, j'ai pas eu le temps de répondre. 50 euros. Du temps réglementaire. Qu'est-ce qu'on achète de deux règles? 50 euros, ma pauvre Laurence. Rien. Bah attends, 6x5, 35. Si on achète le jeu, le maillon faible. Ah, oui, ah, très bien. Si, si, quand même. Quand même, à peu près. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas le prix. Je sais pas le prix. Un jeu, c'est toujours 350 francs. C'est pas, c'est moins cher. C'est moins cher que ça? Beaucoup moins cher. Ah, bien. C'est beaucoup moins cher. Mais tu vois ce que j'aime bien? Chez nous, à Game Boy, on est des vrais joueurs. Mais vous jouez tout le temps, tout petit, même là, la journée. Entre amis, la nuit, tout le temps, c'est horrible. Donc ce genre de jeu, aucune non, on n'a pas d'amis. Pas d'amis, pas de femmes. On a que des amis qui jouent avec des jeux vidéo ou des femmes qui jouent avec des jeux vidéo. C'est la difficulté d'ailleurs, c'est d'en trouver une. Donc vous vivez entre vous, quoi. Voilà. C'est des trucs, c'est comme, c'est comme une secte. Exactement. Ah, Emma! Je la déteste, Emma, tiens, voilà. Il ne peut pas la voir, hein, cette fille. Hein. Alors j'espère que Gérard va être avec moi sur ce coup-là. Mais ça se trouve, elle lui a fait du pied sous le. Ouais, puis elle est séduisante, hein. Et le maillon faible. Oh, mais je, pas du tout. Maillon faible quand même. Il aurait pu mettre une chemise quand même. Il aurait pu mettre une cravate. Il y a un t-shirt. Pas du vote. C'est le moment de nous révéler qui sont vous. Et le maillon faible. Attention. Attention. J'ai peur. Les candidats ont voté pour. Et c'est la vraie voix off de l'émission. Ah oui, c'est la vraie voix off. C'est fou ça. Tout est la vraie, tout est vrai. Le manteau, c'est le vrai. Oh non. Si elle a voté pour moi, je suis. Eh ben voilà! Pauvre ami, mon pauvre ami, mon pauvre. Gérard! Ami. Ça va te faire drôle. Puis-je vous rappeler qui c'est? Virer comme ça. Hop! Tu sais comment ils appellent ça, les Anglais, le, quand tu sors? Le walk of shame. La marche de la honte. La honte au lieu de fame, ouais. Pourquoi cette personne? Walk of shame. Gérard, pourquoi? Je trouve qu'il n'a pas sa place ici. Tu vois, t'as pas ta place ici. Hop, tu virais. C'est mon émission, Gérard! Tu sors immédiatement! Un score d'une médiocrité éblouissante. Oh, n'en rajoute pas, toi non plus! Bah, c'est pas moi, c'est elle, hein! Moi, je dis rien, regardez, je dis rien. Il répond toujours à côté, même pour les questions les plus faciles. Ah ouais, oh oui, Emma, tu as dit toujours ça. Alors. Cyril. Alors attends, on va voir quand il sort, il aurait tout à mon avis. Vous adoriez la géographie. Je me demande encore comment vous avez bien pu trouver notre studio. Une médiocrité éblouissante. Oui, tu es éblouissante dans la médiocrité. Je pensais pas être le plus nul du groupe. Avec deux votes contre vous. Tu pensais pas être le plus nul du groupe, mais en même temps, il mange des chamallows, donc c'est difficile à. Alors là, je sais plus où me mettre. Oh, il va péter quelqu'un. J'aurais pas pu me péter la tête sur tout du rigole. Il va me mettre un pain en passant. C'est jamais arrivé que quelqu'un en partant te. Non. Je suis vraiment pas pressé d'y retourner. Ne leur donne pas de mauvaises idées, j'ai le temps. Non, mais j'entends des trucs derrière moi. Ah, c'est vrai? Des fois, il balance des trucs. J'entends, quand il passe derrière moi, j'entends un petit mot, des fois. Salope! Dans le style. Dans le style. Dans le mec, qui disent. Bah oui. Merci. Un truc comme ça, non. Sûrement merci. Pas. Merci. Si, merci. J'ai perdu Jean. 40 euros. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Toi, tu le paieras. Toi, tu le paieras, ma vieille. Genre ça. Voilà. C'est vachement sympa, hein. C'est bien, franchement, on se marre bien. Hein. Et je te dis, nous, alors le mieux, je vous recommande de jouer à 7, si vous pouvez, en vous filant les bazar. Manettes. C'est un bazar. C'est le bazar, mais c'est drôle. Et en même temps. Tout le monde se regarde comme ça. Voilà. Et le meilleur moment, c'est les votes. Encore une fois, j'étais contre. L'idée d'éliminer dans une émission, mais bon, quand on le fait avec des potes, bah oui, moi je suis plutôt, comment dire, bonne patte quoi, j'aime pas éliminer, comme le loft et tout ça, j'aime pas tous ces trucs. J'ai pas le loft, c'est un jeu, c'est pas la réalité. T'as dans le loft pour certains. Alors, on en prend un chacun et on fait juste entre nous pour finir. Qui tu prends toi? Je sais pas, Diane, tu l'as déjà prise? J'ai pris Diane. Il y a peut-être d'autres. Ah, le vieux là, tu vois bien là. Le vieux, c'est agréable, 66 ans, deux fois mon âge. Mais bientôt je serai comme ça. T'as choisi toi? Allez, je le prends, joueur humain. Tu veux qui toi? Je m'appelle Maggie, j'ai 40 ans. Ah, on veut pas. T'as pris le vieux. Bonjour, ouais, je m'appelle Nathalie. Attends, pourquoi je n'y arrive pas? Ou bien, on l'a déjà pris. Ah oui, il est terrible l'informaticien. L'informaticien, tu veux? Bon, ok, d'accord. J'ai 29 ans et je suis informaticien à Voiron dans l'Isère. Je suis un passionné d'entomologie et des locomotives à vapeur. Si tu es blonde, à force de poitrine, ça m'intéresse également. Donc, joueur humain. I love you. I love you. Donc, joueur humain, et on joue qu'avec nous. On fait que nous deux. Ah bon? Alors, d'accord. Allez, soyons alors, fous. Allez, on va être obligé de s'éliminer. Tout moment, on allez, avec deux candidats. Comme ça, on fera le match au sommet entre nous. Qu'elle nous rappelle les règles du maillon faible. Oui, c'est vrai. Alors, c'est bien aussi parce que. Des fois, on les oublie. Voilà, tu rappelles. À 3h du matin, quand on. C'est quoi les règles du maillon? Hop, on regarde et on les a. On les a. En tout cas, c'est les vraies règles du jeu. Oui, c'est dingue. Ouais, alors, tu c'est un carton, les lunettes, depuis que tu les as remis au je les ai achetées il y a plus d'un an, comme ça, parce que j'avais envie de changer de lunettes. Et après, tout le monde a dit ouais, elle se met des lunettes, en fait, juste genre. Mais non, je sais pas genre, c'est que je vois rien, je suis myope. Et en fait, ces lunettes-là, les gens rentrent dans les boutiques de lunettes, quoi, chez les lunetiers, et ils demandent les lunettes du maillon faible. Ah, donc pour avoir, il a fallu que j'ai une deuxième paire, il a fallu refaire fabriquer. Mais du coup, il se frotte les mains, le fabricant, parce que tout le monde lui ment dessus, quoi. T'aurais dû.
T'aurais dû. Ni sur les manteaux noirs, ni sur les vannes, rien du tout. C'est d'une médiocrité consternante, Laurence. Ouais, ah, oui, exactement, je suis d'accord. Bon, on est reparti, on se fait un dernier petit truc juste entre nous. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà Patrick. Il a un côté comme ça. Déric. Ah oui, Déric. Oh là là. Ah, passez-moi ça, alors. Tu peux te moquer. Bon. Bon, là, c'est quoi? Ça, c'est moi. Au milieu. Hein. Ah bah oui, t'es bien mis au milieu. Allez, je passe pour qu'on rentre directement dans le vif. Ah non, je ne sais bien faire le truc qui fait manette, moi je sais pas. Ouais, bon, c'est un peu mon métier. Je suis surtout très mauvaise joueuse, mais il y a un moment c'est la manette. Mais mauvaise joueuse, genre t'es fair play quoi. T'es mauvaise joueuse, genre t'aimes pas trop, mais. J'aime pas trop perdre quoi. Tu joues un peu de temps. Ah, c'est toi qui commence. La bonne réponse. Hein? Le barbier de Séville, la pivoleuse et Guillaume Tell. C'est pas Rossini? C'est pas le Tourne-d'eau plutôt. Oh, la bonne blague! Correct. Correct. Tourne-d'eau aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Fait l'école du rire, c'était fermé. Dernière question. Dans quel pays, en 1960, la première femme à devenir Premier ministre est-elle en Angleterre? Attends, 60? Ouais. Ah non, Premier ministre. C'est pas en Inde? Ouais, c'est la fille de Gandhi, non? Ah, on essaye ça. Allez. Faux. C'était quoi? C'était pas la fille de Indira Gandhi? Quelle valeur de mesure énergétique les initiales kilojoule? Ouais. Attends, je trouve cryptojoule, comme dans Superman, la kryptonite. Cryptojoule. Ouais, des trucs bizarres. Je voudrais 2 kilos de cryptojoule. Un poisson nommé Wanda. À vous de retrouver la bonne réponse. John Cleese, je suis d'accord. Eh, mais faut pas que tu m'aides, on est censé se battre. Ah bah oui, excuse-moi. En plus, je vais t'éliminer parce qu'il y a personne d'autre à éliminer. Divertissement. N'importe quoi. À vous de retrouver la bonne réponse. Oui. Ce doit être la réponse du haut. Correct. Ce doit être la réponse du haut. OM, sport. Olympique. Choisissez la bonne réponse. Oui, c'est l'organisme. L'obélisque de Marseille, c'est pas mal. Correct. Antoine. Non, c'est bien parce qu'il y a vraiment plein de questions. Répondez à ce que j'en sais. De quel siècle d'actualité? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est 17e, non? Ouais, c'est 17. Bonne chance. Faux. Bah, elle en a bon. Patrick. Ah, on ne sait pas. Quelle femme de président est devenue la première à se faire élire au Sénat? Oh, Barbara Bou. Hillary Clinton, ouais. Allons-y. Bravo! Oh yes. On n'a pas banqué, on n'a rien banqué. On n'a rien banqué, on est des ânes! On est dans la banque. Elle est des minas. Alors on va faire le truc de la mort subite et la tout. Ça, c'est que j'aime vous bien avez ça. Gros suspense. Ouais. On n'a rien banqué. On n'a rien banqué, on n'a pas pensé. Le c'est montant pourtant, des gains remportés aujourd'hui s'affiche en bas de tu votre vas écran. Gueuler là, c'est ça. Seul l'un d'entre vous pourra remporter cet argent. Ah bah, il y a zéro. Il y a zéro, on va pas se battre. Oh, on est tout pareil, c'est trop fort. 5 questions, chacun. On va remporter 0€. Oui. Porte le jeu. Avec 0€, on s'achète rien. C'est aussi simple que cela. En cas de match nul au terme des 5 questions, on passera l'épreuve de la manche. Oui, ça veut dire que c'est bientôt la fin. Donc on va finir avec nos petites questions. De la manche précédente. Allez, je garde la main, voilà. Garde la main, vas-y, on va finir. Allez, Patrick. Et ça va être la mort subite ou je sais pas. Ah bon? Ouais. Patrick. Parce qu'on peut pas voter là. Bah non. Alors attention, en décembre 99, quel pétrolier? Ah oui, les Ricard. Michel Jonas, ça n'a jamais sombré nulle part. C'est n'importe quoi. C'est drôle ça. Antoine. Ils ont si bizarre les questions des fois. En nature. Dans la faune marine, quel animal possède une poche abdominale qui contient des œufs? Bonne chance, Laurence. Correct. Oh! Ah oui, t'as un peu de culture, un peu de culture. Bon, dis donc. Non, mais je sais pas, j'ai rien dit au hasard. À vous de donner la bonne réponse. À midi sur France Inter, j'y étais. Oh, tu y étais! J'étais pas mort, alors. Rien à cirer. C'est ça? Le feu du roi, c'est celle qu'on m'a piquée. Oh, le salaud! Tiens, c'est marrant qu'ils aient mis ça. Tu savais que j'ai mis ça? Ah bah voilà. Un petit clin d'œil. Bah écoute, choisissez la réponse correcte. L'ordurin. Ah, c'est à moi! Ouais, c'est toi. Wagner, non? Moi, je dirais ça aussi, ouais. Et pour le moment, regarde, ah bah, zéro écoute, faute. C'est dingue. Tu es bon, tu es très bon. Bah, et toi aussi, regarde. La c'est la mort subite, là. Une c'est violette, qui est une variété. En mettant quel est le nom de la pierre violette? Ah, moi, je sais pas. Une pierre violette. C'est l'opale, c'est pas violet. L'émeraude, c'est pas trop violet. L'améthyste, ça ressemble. Tu pas bien. Beaucoup de pierres à tes fiancés, hein. Bah, non, je suis pauvre. Ça pue très mal, la télévision. Antoine. Enfin, je suis à Game One, j'imagine. Ça y est, choisissez la réponse correcte. Herbert. Je suis d'accord. Oulala. Donc là, j'ai fait une petite faute. Et là, tu vois, on est. Non. Ah non, j'avais raison. Non, t'as raison. J'avais raison. Géographie. Ah, je quelle ville de France dont la première lettre est L est desservie par l'Eurostar? Le Mans, c'est sûr, c'était voisin. Lyon, c'était Paris-Lyon les premiers. Attends, non, l'Eurostar. D'où ça sort, ça? Attends, quelle ville de France dans la première lettre L est desservie par l'Eurostar? Il va vomir le vieux, attention, hein. Quelle ville de France dont la première lettre est L est desservie par l'Eurostar? Bon, bah, je comprends pas la question. Je vais dire Lyon. Mais non, c'est Lille, enfin. Mais pourquoi l'Eurostar? C'est pas en Europe. L'os s'appelait Atlas, ça appartient-il à la colonne vertébrale ou au pied? C'est au pied.
faux. Ah, ah bah non. Donc double faute. Alors attention. Ah bah c'est bon, on est si encore en égalité. Qui... Eh ouais. S'il y en a un qui répond bien. Quel chef d'état choisissez la réponse correcte. Oh là là. Ah oui. Ça je sais. Attends. Allende, c'est Allende qui a été. Attends. Renversé au Chili par des militaires à la solde des États-Unis. En 73. Allez, Allende. Non. Ah, ah, j'ai peur. Allez, tente correct. Allende. Oh, oui. Alors attention, là, si tu réussis, c'est super mortel. C'est égalité. Et si tu rates, t'auras perdu. En divertissement, choisissez la réponse. Oh, ça devrait aller. Ça va. Ça va. J'ai le Morgan. Correct. Eh ben, nous voilà à l'épreuve. C'est carrément les buts en or, là, comme au foot, pour nous départager. C'est bien, ça finit. J'ai un beau suspense, ce level 1. Du coup, on va déborder un peu, c'est pas grave. On est content de t'avoir, on déborde, on est comme ça. Bon, je reste toute la journée. Mais toute la nuit, je dors là. Une petite jeu de baston après. Histoire d'évacuer là. Oui. C'est comme ça. Mais tu connais apparemment. Tu joues un peu d'habitude ou pas? Je suis mauvaise joueuse, moi, c'est tout. Je suis pas. Et tu joues avec des potes? Tu... Non, non, je joue avec des gens que je rencontre dans la rue, que je connais pas, des amis que je loue à l'heure. Quoi. J'ai pas d'amis, moi. C'est, j'ai plus d'amis. C'est comme ça. J'ai plus de mecs, j'ai plus d'amis depuis ce jeu-là. Oui, non, des amis. Tu sais, des vrais, des gens qui me connaissent. Qui viennent manger des pizzas chez toi. Alors, attends, parce qu'il faut pas se gourer en fait. En littérature, de quelle ancienne langue les mots poésie, comédie, tragédie? Bon, tu te débrouilles, c'est à toi. Allez, grec, on va dire. Correct. Oh, bravo. En fait, je crois que c'est le premier qui se bourre qui a perdu. Eh oui. Donc, faut quand même qu'on soit concentré là. Juste à cette question pour rester avec nous. Oh, Antoine. Bonne chance, Antoine. En divertissement, choisissez la bonne réponse. Correct. Des fois, quand tu veux répondre vite, j'ai remarqué. Tu réponds n'importe quoi. N'importe quoi. En nature. En zoologie. À vous de donner la bonne réponse. Ouh là là là. Le faucon pèlerin est le plus gros. C'est des questions que tu peux ressortir pour les dîners. Ça y est. Allez, stand gros. Alors, je suis viré. Antoine, ah bah non, si moi je réponds faux, si vous répondez correctement à cette question, j'ai gagné. T'as gagné. J'ai gagné. Tu le mérites, quand même. Antoine, en sport, répondez à cette question. Ah, moi je sais pas, je suis nul en foot. Ah, moi aussi. Pas sur moi. 8 et 5, ça doit être 4 ans, non? Les Jeux Olympiques, c'est 4 ans. Correct. Oh! Eh bah t'as gagné! Yeah! J'ai gagné 0! Tu pars avec 0. C'est content? C'est vrai, je suis vachement contente. Génial. Je suis super contente. Bon, mettez le maillon fort. Et ça, c'est bon. On savait depuis très longtemps. Hein, très longtemps que moi, c'était quand même. J'étais déjà mieux que toi. Maillon fort. Bah oui, puis moi, c'était perdu d'avant. De toute façon. T'as de chance. Laurence, merci d'être venue. Ah, ça m'a fait plaisir. Je reviens quand vous voulez. Ah bah écoute, bien. Jouer. Peut-être un autre jeu que le maillon faible, mais très bien. J'aimerais bien des trucs avec des karatés. Oui, des trucs de. Bon. Je serai en short. Je prends note. Je prends note, tu reviendras. On évacuera tout. La frustration, mais elle est gentille en vrai. Ça bien. Bon, allez, on va dire au revoir aux gens. Merci, merci vraiment d'être venu, Laurence. Ils sont là, les gens. Au revoir, les gens. Merci de nous avoir suivis. Allez. Et vraiment, merci. Et achetez le jeu, il est pas cher. C'est cool. Oui, c'est vrai. Et puis regardez les jolis. On avait dit. Ah. Merci, madame Laurence. Voilà. À bientôt, ciao. Les gens.